Je m'appelle Elora, j'ai 23 ans et je viens de Bretagne, dans un petit village à côté de Lorient. Donc moi c'est Amandine, j'ai 23 ans, je viens d'Andrézy, donc une petite commune rurale dans le Maine-et-Loire. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans et je suis originaire de la région. J'ai habité à Orléans pendant 20 ans et je suis née dans une commune à côté d'Orléans qui s'appelle Saint-Jean-de-Bray. Du coup, moi, j'ai fait un master en gestion des risques environnementaux et en fait, j'avais besoin de plus de professionnalisation. Du coup, je suis partie en master 2, concertation et transition des territoires à Sciences Po Rennes et ils ont un campus à Caen. Je suis à Sciences Po Rennes et je fais un master donc sur le campus de Caen qui s'appelle concertation et territoires en transition. J'ai fait un master de sociologie à l'Université de Lille, c'était plus axé sur la sociologie urbaine. Et à la suite de l'obtention de ce premier master, j'ai décidé de continuer sur une deuxième année de master à l'IAE de Tours, en gestion de projet et plus spécifiquement en gestion de la qualité des projets. Alors, du coup, j'ai choisi mon alternance chez Ville au Carré parce que les missions me plaisaient beaucoup. Et justement, ils ont une approche régionale, donc c'est très intéressant aussi. Et les partenaires sont multiples, donc que ce soit auprès de la région, auprès des citoyens et des citoyennes. Donc il y a vraiment un mélange de partenaires qui sont intéressants et qui permettent de bien saisir tous les enjeux de dynamique citoyenne et de participation citoyenne. Donc j'ai choisi de venir à Ville au Carré parce que je suis très intéressée dans toutes les questions d'intégrer un maximum de personnes au sein des transitions. Et donc, c'est ça que je trouve pertinent à Ville au Carré, c'est notamment de travailler avec les quartiers prioritaires, parce que c'est des quartiers où aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux autour des transitions qui se jouent, et donc, il faut les prendre en compte. Alors, pourquoi ce stage à V2 ? J'ai toujours été intéressée par les logiques territoriales et sociales. J'ai notamment une licence en géographie et aménagement des territoires, le master en sociologie urbaine. Donc, il me paraissait intéressant de faire une transition avec le monde professionnel sur ces thématiques-là, et notamment dans un centre de ressources axé sur le milieu associatif. Les missions que je suis amenée à réaliser, en fait, c'est notamment de développer et d'animer un réseau de citoyens et de citoyennes engagés sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire. Et donc, l'objectif, ça va être de permettre à ces personnes de se rencontrer, d'apprendre les uns et les unes les autres et de réussir à créer des projets en commun. Et il y a aussi une autre dimension, c'est en fait tout simplement le travail avec la région. Et c'est l'objectif aussi de créer une dynamique de démocratie permanente sur le territoire en créant des ponts entre la région et les citoyens et les citoyennes. Pour mes missions, donc, moi, je travaille sur les questions de centralité des petites et moyennes villes. Donc, on s'occupe de faire le lien avec les 13 villes qui sont concernées par le programme Action Cœur de Ville dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc, j'envoie des revues de presse. On organise des séminaires pour que les acteurs puissent se rencontrer de façon annuelle, parfois mensuelle, autour des thématiques qui intéressent particulièrement ces territoires, tous concernés par des dynamiques de décroissance, de déclin, pour que les acteurs puissent faire des retours d'expérience entre eux et des expertises mutuelles. Mes missions au sein de Ville au Carré, je suis chargée de mission transition. Donc je travaille sur le cycle « Et si les quartiers entraient en transition ?» Et donc, l'objectif, c'est de sensibiliser en fait, ceux qui vont faire la politique de la ville, donc les sensibiliser aux enjeux climatiques, et puis après, de repérer tout ce qui est initiative qui existe déjà dans les quartiers prioritaires, donc les initiatives autour des transitions, et donc de repérer toutes ces graines de résilience et de les valoriser et les mettre en avant.